Thank you.
écouter attentivement et à suivre la lecture du passage biblique de cette première soirée de la Convention 2022. Ce passage, tiré du livre du prophète Jérémie, chapitre 38, versets 14 à 28, sera lu en français et en roumain. Au nom de Jésus, le Sauveur. Grand. Celui qui connaît aujourd'hui et demain et connaît tout ce qui va exister. Pour nous, ce qui va se passer d'une heure à une autre, nous ne le savons pas. Ce qui se produira dans les jours à venir, nous ne le savons pas. Seul toi maîtrises le lendemain. Et quand tu parles, personne ne t'écoute. Quand tu enseignes, personne ne reçoit. Quand tu reprends, nul ne se laisse reprendre. C'est là la maladie dont souffre le monde entier. Ce qui fait que tout va de mal en pire. Seigneur, donne-nous d'avoir des oreilles pour obéir à ta parole. Bénis-nous en cela, Seigneur. Rends-nous sages dans la mise en pratique. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Le matin, Jérémie, donnez-vous Israël, pour Israël ton peuple. Nous avons entendu le message que Dieu a transmis à Jérémie et lui a demandé de le transmettre à Israël et à son roi. Mais ça c'est. Nous avons aussi entendu. La manière dont il n'avait point prêté oreille à la parole. Et tel que le message était si désagréable à leurs oreilles au point où ils étaient allés solliciter la permission du roi pour mettre à mort Jérémie. Et le roi leur a dit, c'est vrai que je suis établi roi sur vous. Mais, qu'est-ce que je peux contre vous? Que puis-je vous dire? Il est entre vos mains, traitez-le comme bon vous semble. Et ils se levaient précipitamment. Autant de commettre le péché, l'homme a de la force. Et l'homme, tous ses adrénalines se mettent au point. Il le fait avec toute sa force, avec sa supériorité. Mais, et lorsque la rétribution du péché est là, l'homme n'arrive pas à supporter les conséquences. Il n'a plus de force. Mais lorsque le moment arrive pour commettre le péché, personne n'arrive à dompter l'homme parce qu'il va accomplir tout ce qu'il avait décidé. Voilà les tourments dans lesquels se retrouvent les dirigeants. Le roi dit au chef et au prince, que puis-je vous dire?
en ce moment-ci, je n'ai pas de voix sur vous. Si vous trouvez bien à le traiter d'une manière, traitez-le comme bon vous semble. Ils se sont levés avec toute leur force. Et l'un des serviteurs du roi était allé voir le roi et a dit, ce que tes gens ont fait n'est pas bien. Ils ont jeté Jérémie dans la citerne. Là, il n'y a point de pain ni d'eau. Mais la citerne était remplie de boue. Jérémie va mourir. Et le roi dit, prends 30 hommes avec toi et allez retirer Jérémie de la citerne. Ils ont fait remonter Jérémie de la citerne. Je dis, voilà les problèmes auxquels sont confrontés tous les dirigeants. On complote contre eux. Pour les outrager, pour les maltraiter ou bien pour les traiter d'une manière inconvenable. Et les rois, souvent ceux qui les entourent, les intendants, ceux qui sont proches d'eux, ce sont ceux-là qui les enlisent dans des tourments. Ce sont eux qui vont solliciter des choses qu'on ne peut même pas demander. C'est pourquoi que tu sois maître de la maison ou dirigeant d'une église, dirigeant de la nation, une chose est primordiale pour tous ceux-là que Dieu a placés à un niveau haut. La voix de l'Éternel, ce qu'elle a dit, si tu la révèles, si les autres refusent de la mettre en pratique, toi, mets-la en pratique. Tu seras sauvé. Parce que l'Éternel va te délivrer. Mais s'il arrivait que toi, devant ceux-là, tu trembles et tu dis, mais qu'est-ce que je peux maintenant? Faites ce que vous voulez. Effectivement, ils iront commettre l'acte. Tout dirigeant est confronté à ce problème, que tu sois dirigeant d'une maison, d'une église, d'une nation. Les subalternes là vont se lever et aller vers toi pour te demander des choses impossibles. Et s'il arrivait que tu tremblais devant eux, alors ils vont se lever précisément, se liguer contre toi avant que l'Éternel ne se lève et les disperse. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours. Il n'y a point de peur. Nous sommes là pour écouter la voix de l'Éternel et non la voix de l'homme. Je vais vous rappeler une chose. Il y a un roi appelé Saul. Qui sont ceux-là qui ont induit Saul en erreur? Ce sont les anciens du peuple, les princes. Lorsque Saul avait reçu de la part de l'Éternel pour aller mener le combat, était dur aux oreilles des anciens, au point qu'ils étaient allés le voir pour dire, mais est-ce qu'on ne fait pas de sacrifice à ton Dieu? Lorsque les gens décident de faire des sacrifices pour leur vendre, ils disent que c'est pour Dieu.
Maura, il y a des choses que vous m'avez dit. Il y a des choses que vous m'avez dit. L'Éternel a demandé de vouer l'interdit et la ville et tout ce qui se trouve dans la ville. Mais les hommes ont dit, mais est-ce qu'il ne faut pas choisir les meilleures choses pour faire un sacrifice à ton Dieu? Il a considéré le nom qu'il faisait et a considéré leur renommée. Et a cru un instant que ce sont eux-là qui l'avaient établi là. Au contraire, celui qui l'avait établi, c'est Dieu, c'est lui. C'est sa parole que ses anciens lui demandaient de rejeter en place de leur parole. Quand il les avait écoutés, et lorsqu'il leur a dit, d'accord, allez, choisissez ce que vous voulez choisir. C'est là le péché qu'a commis Saul. L'Éternel s'est détourné de lui. Si tu te détournes de la moindre de sa voix, il se détournera lui-même de toi. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais si tu vas l'écouter, c'est vrai, tu auras assez d'ennemis, mais aucun d'entre eux ne pourra avoir le dessus sur toi. Ils se lèveront en homme, c'est vrai, mais aucun d'eux ne remportera sur toi. C'est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Et pour que le chef tombe, cela dépend de ceux-là qui l'entourent. Voilà le sort, la manière dont ils ont traité Sédécias. Et il avait peur d'eux au lieu de craindre la voix de l'Éternel que lui transmettait Jérémie. Quand il a eu vraiment peur, voici donc ce qui est arrivé après. Lorsqu'on avait fait sortir Jérémie de la citerne et lorsqu'il était dans la cour du roi, le roi l'appela. Seul avec Jérémie, ça avait une entrevue. Et il lui disait, parle-moi. Ne me cache rien. Quel est le message que tu as reçu de l'Éternel? Ne me cache rien. Écoutez ce que Jérémie a répondu. Jérémie répondit à Sédécias le roi. Si je te l'ai dit, ne me feras-tu pas mourir? Si je te l'ai dit, ne me feras-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. Chacun de nous, c'est là où se trouve le problème pour nous. Si je te transmets la voix de l'Éternel, ne me feras-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. Depuis que nous avons cru, l'enseignement de l'Éternel n'a manqué à nos oreilles. Cela n'a jamais manqué. Où est-ce que
Le conseil pour observer les préceptes de l'Éternel n'a jamais manqué. Mais lorsque l'heure sonne pour nous, pour aller commettre le péché, et lorsque nous décidons de rompre les liens de l'Éternel qui nous lie les pieds et les mains pour ne pas aller commettre ce péché, nous disons, on parle de l'enfer. On parle de l'enfer. Je ne serai pas le seul dans l'enfer. Une mort commune n'est pas mauvaise à subir. Je verrai telle personne, je verrai également l'autre là-bas. C'est pas grave. Je le ferai quand même. Je peux faire ceci et mourir. C'est la mauvaise décision que nous prenons, femmes, maris, enfants. Lorsque nous décidons d'aller faire le mal, on est prêt à subir l'enfer. Et à nos yeux, l'ordre où la loi de l'Éternel n'est plus considérable. On dit on ne le fait pas, mais moi, je m'engage à le faire quand même. Je peux mourir, mais je le ferai quand même. Parce que nous n'avons pas vu la mort, raison pour laquelle nous tenons ces propos. L'enfer dont parle l'Éternel, si tu l'avais vu une fois, on te saura si tu peux déjà menacer et t'agiter comme ça pour y entrer. Je vais vous poser une question. Qui d'entre vous? Lorsqu'il décide de transgresser la loi de l'Éternel, ne tient pas de tels propos. Tu le conseilleras. Mais après avoir baissé la tête, quand il se lève, il dira, ben, je le ferai quand même. Pasteur, je t'ai bien écouté, hein, mais laisse-moi aller réfléchir. Une fois là-bas, il va aller commettre ce qu'il décide de faire. Qu'est-ce que quelqu'un a contre l'autre? Nous ne pouvons rien contre l'autre. Le suprême qui peut tout revient bientôt et les yeux le verront. Celui qui reçoit les corrections sera sauvé. Celui qui n'agit pas pour aller au-delà de ses ordonnances sera sauvé le jour-là. Tout le reste sera livré à ce qu'ils ont pu faire dans leurs agitations. C'est pourquoi je souhaite que nous examinions ce que le serviteur de Dieu a dit au roi. Lorsque je t'annoncerai la nouvelle, ne me feras-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. Il y a une chose qui me fait réfléchir aujourd'hui. Celui qui écoute la parole de Dieu depuis son bas âge. Celui qui connaît la loi de l'Éternel qui défend de faire telle chose ou de ne pas faire telle chose. Lorsqu'il va faire la chose, même si toi tu ne sais pas, même si tu le sais, fie ça, il te bon à mon monde. Fie ça, il te bon à mon côté.
S'il arrivait que tu ouvres la Bible, dans un passage, tu vas prêcher la parole qui va aller toucher son péché, c'est depuis là où il est, là, il va commencer par murmurer. Chaque fois, on ne fait qu'ouvrir la Bible contre moi. Chaque fois, on ouvre la Bible pour toucher toujours mes péchés. Et voilà que la Bible est chaque fois ouverte pour toucher les péchés de nous tous. Est-ce que la chose n'est pas réelle? Oh, ni mon nom de mon la daga. Ni mon nom de mon matin, non, non. Et y a un droit à moi, alors, la calou. Mais tu l'aimes. Droit à moi, la daga. Mais les pauvres de ta chambre aussi, quand tu es bien. Mais les pauvres, ni y a un yon, ouais, boy. Ni y a soit ton haut dans le haut, mon frère, va aller. Et non, droit, il y a le sous-sous, où est-ce que tu es bien, il m'a donné mon pâle. Tout le monde s'oppose à la parole de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsqu'une partie est lue dans la Bible, et quand ça touche le péché, on souhaite même à ce que cette page-là soit éliminée de la Bible. Et on commence par se plaindre, on commence par aller contre, on commence par s'irriter. Quel est ce mal-là dont souffre le monde aujourd'hui? Regardons du temps des anciens ce qui est arrivé. Regardons également notre temps si nous sommes déjà guéris de ce mal-là. Comment allons-nous faire pour être sauvés maintenant? J'ai une chose à te demander. Comme quelqu'un qui était prêt à recevoir le conseil. Ne me la cache pas. Le prophète répondit. Si je te l'ai dit, ne me feras-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, ne le refuseras-tu pas? Verset 16. Le 16e verset. Le roi Sédécias jura secrètement en disant: l'Éternel est vivant. Lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir. Il reconnaît qu'il est un meurtrier. Je ne te ferai pas mourir. Et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. Donc parmi la foule, il y a des gens qui en veulent à la vie des hommes. Dans une nation, il y a assez des hommes qui en veulent à la vie des autres. C'est ceux-là qui ont de la haine contre les gens. Ceux qui éprouvent de la jalousie contre la personne parce que Dieu lui a fait tel ou tel autre bien. Ce sont eux. Le roi lui a dit, je ne te ferai pas mourir et je ne te livrerai pas entre les mains de ceux-là qui en veulent à ta vie. Il était conscient de cela parce que ces hommes venaient chaque fois vers lui pour lui demander de livrer Jérémie entre leurs mains.
Chacun de nous en possède. Dans la famille, on en a. Dans la nation, dans la ville natale, on en possède. Même quand on voyage, si tu es accompagné par la puissance de l'Éternel, là-bas, tu en posséderas aussi. Une seule personne existe et c'est lui qui délivre. C'est pourquoi écouter la parole de Dieu et après commencer par murmurer, c'est un crime. Est-ce que parce que toi tu vas commettre ce péché-là qu'on ne va plus parler touchant ce péché-là? C'est une question que je suis en train de poser. Verset 17. Le 17e verset. Jérémie devant Sédécias. Jérémie dit alors à Sédécias. Il va lui transmettre maintenant le message. Et nous allons voir comment il va prêter oreille et être attentif. Jérémie dit alors à Sédécias. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu des armées. Le Dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au roi de Babylone, tu auras la vie sauve. Et cette ville ne sera pas brûlée. Tu vivras. Toi et ta maison. Mais si tu refuses de te rendre, cette ville sera consumée. Cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui la brûleront. Et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Tu ne chapperas pas à leurs mains. Voilà le message qu'on lui a donné. Ce que l'Éternel a réservé pour eux à cause de leurs péchés. Celui qui sera en train de pécher et ne verra pas les conséquences n'existent pas sur cette terre. Seul celui-là qui les abandonne va réussir. C'est là la parole de l'Éternel. Et c'est ainsi devant lui. Toi et ta maison sera sauvée. Mais si tu refuses, l'Éternel livrera cette ville entre leurs mains et ils la brûleront. Et toi, tu ne t'échapperas pas. 19. Le 19e verset. Sédécia dit à Jérémie. Je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. Voilà ce qu'il est en train de craindre. Pour ne point observer la voie
que lui transmettait Jérémie de la part de l'Éternel. Lorsqu'il ira là-bas, les Juifs qui sont là-bas l'outrageront. C'est de cela qu'il a peur. Si l'homme doit obéir à la voix de l'Éternel pour être outragé de la part des hommes, cela ne fait rien. Si Dieu ne t'outrage pas, c'est rien. Et tu seras toujours élevé. Si Dieu ne t'outrage pas et que l'outrage vient de la part des hommes, tu ne seras pas un sujet de sarcasme, mais ceux-là seront confondus. Eux qui t'ont livré à l'outrage seront confondus après. Ne prenons rien comme prétexte ou argument pour refuser d'obéir à la voix de l'Éternel. Il y a certains qui disent, si je crois maintenant, si je reçois le Seigneur, ma famille se moquera de moi. Et comme ça, ils vont errer vers les idoles et continuer dans le monde du péché. Pour certains, s'ils fréquentent des églises méchantes, ils disent, mais si tu reçois le Seigneur, c'est ton propre père qui va te tuer, c'est ta propre mère qui va te tuer. Et comme ça, ils craignent la mort et refusent de recevoir le Fils de Dieu pour être sauvés. C'est déjà ce qu'on a. Je vous l'ai dit, Miko. Où tu es, ma Dieu, mes dédicaces, ton temps. Pour la c'est de si dit qu'il sera outragé de la part des Juifs, raison pour laquelle il ne va pas se livrer pour être sauvé. 20. Le 20e verset. Jérémie sort de courant de l'édomor. Jérémie lui répondit. On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Et tu t'en trouveras bien. Et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses, je répète. Écoute, on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Vous tous, écoutez la voix de l'Éternel dans ce que je vous dis. Car la voix de l'Éternel se trouve dans cette parole pour nous. Et cette voix de l'Éternel lui dit, écoute, on ne te livrera pas l'outrage. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Mais si tu refuses, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Si tu refuses, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Et nous allons entendre cela. Vingt-deux. Nous sommes tous les deux.
Il se retire. Mais malgré les clomes bleus. Ne vous laissez pas tromper. Malgré les doutes mendibles. Ne vous laissez pas dominer. Mais tu dis la mauvaise mende, maïgo mende là. Abi mais tu dis dodo. Hey, et madora il se joue au toilet. Il malgré les clomes bleus. Ceux qui disent la parole de Dieu n'est rien ou bien ne va plus observer les lois de l'Éternel, ne vous laissez pas tromper par ces gens là. Eh ben moi. Sinon. Lorsque le pied du monde entier sera enfoncé dans la boue, plus personne ne serait là pour le faire sortir. Apprenez cette partie par cœur. À partir de la partie qui dit, écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Et tu t'en trouveras bien. Jusqu'aujourd'hui, si tu écoutes la voix de l'Éternel dans ce qu'il dit, on en sort bien. Celui qui veut s'en trouver bien, qu'il reconnaisse donc la voix de l'Éternel à travers la parole de l'Éternel pour s'y attacher fermement. Et tu t'en trouveras bien. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours. Gloire soit rendue au grand roi pour toujours. Béni soit Dieu. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda seront menées au chef du roi de Babylone et elles diront: tu as été trompé, dominé par ceux qui t'annonçaient la paix. Qui sont ceux-là qui trompent? Ce sont ceux qui disent, l'Éternel nous a dit. Oh, l'Éternel ne l'a rien dit. L'Éternel nous a aussi montré ceci. Oh, c'est du faux. Ne vous laissez pas séduire par ces gens-là. Et lorsque tes pieds seront enfoncés dans la boue, ils vont se retirer. Ne vous laissez pas séduire par quelqu'un au point où vos pieds seront enfoncés dans la boue. Et après quoi ils vont se retirer de vous? Parce que la finalité de leur force est de te séduire pour que toi tu délaisses la voie de l'Éternel, mais après quoi ils ne pourront te sauver. 23. Toutes tes femmes et tes enfants
seront menés aux Chaldéens. Le Seigneur m'a révélé qu'ils sont déjà chez les Chaldéens. Et toi-même, tu n'échapperas pas à leurs mains. Tu seras saisi par leurs mains au roi de Babylone. Et cette ville sera brûlée par le feu. 24. Le 24e verset. C'est déjà tout donné à Jérémie. C'est de ça dit à Jérémie. Que personne ne sache rien de ce discours. Et tu ne mourras pas. Voyez-vous? Ne voyez-vous pas? Ce que tu viens de me dire, c'est vraiment terrible. Que personne ne sache rien de ces choses. Comme ça, tu ne mourras pas. Jusqu'aujourd'hui, le monde demeure ainsi. Que personne ne sache rien de tout ceci. Alors tu ne mourras pas. Don't obey me. Madame, I want to know my own. I'm all. Madame, I thought you were on sale. Don't you know? Donc, dans ce monde, personne ne veut obéir à l'Éternel. Personne non plus ne veut entendre parler des mauvais événements qui se produiront de la part de l'Éternel. Où est-ce que tu as dit? Et ici. Mais où est-ce que tu Mais pour lui ici, dans ce cas, il ne dépendait de personne, mais ce sont les gens qui dépendaient de lui. Et il a le pouvoir de faire ce qu'il voulait. Que vous acceptiez sa voix ou non, cela ne lui cause aucun dommage, mais c'est vous qui allez subir le tort. Et il dit à Jérémie, si les princes viennent auprès de toi, parce qu'ils ont appris maintenant que j'étais là avec toi, nous avons parlé. Et s'ils te disent, rapporte-nous ce que le roi t'a dit et ce que tu as dit au roi. Ne nous cache rien. Et nous ne te ferons pas mourir. Voyez-vous, Le seul Jérémie était la bête à abattre par le roi et par les chefs. Et chacun voulait entendre la vérité. Elle disait en même temps qu'ils ne le feront pas mourir. 26. Le 26e verset. Tu leur répondras. J'ai supplié le roi. De ne pas m'ôter de la cour de Jonathan. De peur que je n'y meure. Le roi ne m'a rien dit, je l'ai simplement supplié. Et lorsqu'ils étaient venus vers lui, ils ont questionné Jérémie. Il a mis en pratique la parole du roi, ce que le roi lui avait conseillé. Et il gardait alors le silence et ne pouvait rien contre lui. Car la chose ne s'était pas répandue dans la ville. Jérémie resta dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Je veux que cette parole
Bektori non fokia, melekun non fokia, bonon fokia, bonon to aidogo, bonon to aidon le godeme, bonon to beto yo sopo. Be alo yi conseil jouer we deya. Ou na be jouer we toni edona we ya lo yi. Que tout le monde la lise constamment pour vérifier, pour examiner sa vie. Toi, personnellement, pour voir si tu reçois effectivement les conseils de Dieu. N'est-ce pas les conseils des hommes que nous recevons? Ce que dit la multitude, n'est-ce pas ce que nous suivons? Est-ce que nous suivons réellement ce qui vient de la bouche de l'Éternel? C'est là où nous devons vraiment attirer notre attention. Ne pas écouter la voix de l'Éternel dans ce qu'il dit à travers sa parole, c'est ce qui est à la base du malheur de tout homme, que ce soit les enfants, les petits-enfants, les chefs de tous. Le diable ne permet à personne de recevoir la vérité pour être sauvé. Jésus-Christ bénira chacun de nous. Arrêtons-nous là.
kemena kule ko to yin jesu to meda e ke chi de to ni chi le to yin jesu to ni chi le ni gwa no le ni ni kon do le ni gwa godo ro le jesu yin ko me e ya me re ko ni bi yo godo yin se na jesu ara mo yi ora pe wa do mi to ndo do we nous te remercions na basi dia basi du fait que tu as fait et tu as permis à nos prières d'être exaucées. Car c'est toi qui es, je le ferai pour vous. Demandez tout ce que vous voudriez en mon nom, je le ferai pour vous. C'est ton nom, ça, Jésus. C'est pour cela que je leur ai demandé de demander en ton nom. Afin qu'ils reçoivent venant de toi. Au nom de Jésus, que leur vie soit transformée. Sur le plan de la paix. Sur le plan de la richesse. Sur le plan de la grâce. Sur le plan de la supplémation. Que leur vie soit transformée. Alléluia.
Thank you.